la foi. Tu restes en salle, il y a la foi en toi. Mais tu manques quelqu'un qui va confirmer ça. Et tu n'as pas besoin de voir quelqu'un physiquement. Parce qu'on t'enseigne déjà dans la nuit. Tu restes comme ça, là, il te parle déjà. Maintenant, parfois, quand on te parle, tu restes, il y a ton mari, il y a tes frères. Personne ne comprend. Maintenant, quand tu tombes, tu écoutes. Ça réveille ce qui est en toi. Et je dis que quand vous m'écoutez, tu n'as pas besoin de me voir le premier jour. Écoute, commence à faire. Tu vas mettre un pas. Dieu va te dire qu'il va donner 500 à telle personne. Tu donnes 500. Comme tu donnes 500 là, peut-être dans 6 mois, tu as donné 500 000. Après, tu as donné 5 millions. Et quand il dit ouvre ici, tu ouvres, ça entre pas ici. Tu dis, hey. Ça commence. C'est comme il dit qu'il n'y a que quelqu'un qui fait, qui peut, comment on peut parler comme ça là? Parce que tu fais, tu sais. Comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se mettent là-bas, ils parlent. Quand on va parler, il va dire que, ah, quitter là-bas. Non, la foi attire ce dont tu as besoin. Et la foi fait que quand tu parles, et quand je vous dis que tout ça se sème, on ne fait pas, tu ne fais pas quelque chose, tu dis que je veux 5 millions, Seigneur, tu peux donner 500. Tu dois s'aimer. Tu dis que Seigneur, comme je veux les 5 millions là, je m'engage que voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Tu vas voir, comme tu dis que peut-être les orphelins là, que le bénéfice ici, chaque mois je vais chercher une personne que je vais m'occuper de la personne. Ah, tu vas voir, parce que Dieu connaît que voilà ma main déjà sur la terre. Même si quelqu'un complote, on vient, on prend ta marchandise, on met à terre. Ta marchandise dans une voiture, qu'on attaque en gros, on pille la voiture. Tu vas voir que ta part va rester. On va dire qu'il y a un seul sac qui est resté, c'était pour vous, madame. Et c'est comme ça que tu comprends qu'il y avait une puissance en toi qui était là depuis, qui dormait. Quand elle passe, quand l'enseignante voit en ligne, je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Et je vous dis tout que je vis parce que j'enseigne. Ceux qui sont proches de moi, ils voient peut-être. J'ai dit, je vis parce que j'enseigne. Ça m'a pris des années pour que je saisisse, pour vous enseigner maintenant bien. Mais maintenant que j'enseigne, celui qui attrape. Parfois, même au début, parfois je ne comprends pas bien. Mais tu dis que bon, si la fille s'y dit, donne-moi le bénéfice du doute. Prends un mois, paye ta dîme. Cherche un peu d'argent que tu as donné à un orphelin ou bien fais le sac. Achète des biscuits, donne seulement. Tu fais ton lavage, tu fais tes trucs. Tu vas voir comment. Et quand parler aussi. Parce que avant, quand tu es un peu comme ça, là, tu ne connais pas. Et j'ai dit toujours que le moment où tu payes ta dîme est important parce que tu es en train de faire une transaction avec Dieu. Que Seigneur, quand je prends mes 1000 francs, voilà. Seigneur, j'ai seulement eu 10 000 au mois-ci. J'ai dit que la somme n'importe pas. Je ne savais même pas que chaque homme peut payer la dîme à tout moment, à chaque fois que tu attrapes une somme. Je ne savais pas, je savais que chaque mois je payais ma dîme. Je ne savais pas que c'est chaque jour que tu attrapes un argent. Quand tu commences à payer chaque jour, l'argent va te pousser chaque je jour. Je ne connaissais pas. Laisse, tu vas voir. Même depuis que j'étais connue, chaque jour, chaque fois que j'attrape l'argent, chaque semaine que j'attrape l'argent, je donne seulement. Je donne seulement. Et tu donnes ça encore plus vite. Encore. Voilà. Mais je donne ta France encore. Ça, ce sont des principes que. Oh, c'est sucré. Je donne ça C'est encore. sucré. Que Seigneur. Je te jure, ma mère, que je n'ai jamais manqué de nourriture. Je n'ai Voilà. jamais manqué la nourriture dans ma maison. Je n'ai jamais manqué la nourriture dans ma maison. Parce que tu as compris la transaction. Et les noirs, généralement, je ne sais pas pourquoi, on a la peine à comprendre que c'est la transaction financière. Tout s'achète dans ce monde. Tu peux au supermarché, tu ne peux pas sortir la nourriture sans payer. Pourquoi tu crois que tu vas venir prendre à Dieu sans payer? Seigneur, voilà mes 1000 francs. Comme je prends mes 1000 francs, je dépose, Papa Yahweh, ce n'est pas beaucoup. Peut-être même c'est 100 francs. Il y a des gens qui me font les dîmes de 300 francs. Je dis que ce n'est pas la somme qui compte. Ne me dis pas que oh, c'est petit. Je ne regarde pas ça. Comme je donne comme ça, Seigneur, je crois au principe que tu as enseigné. Et je crois que c'est toi qui subviens à mes besoins. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon boss. Mon patron me donne parce que tu as mis dans son cœur de me donner. Tu déposes, tu parles. Et je dis, le mot tu payes la dîme est tellement important parce que tu sors ton énergie et tu déclares que je veux telle chose. Tu vas voir que tes projets vont commencer à grandir. Tu vas commencer à voir les projets fantômes, que les projets gigantesques. Avant, tu n'osais pas demander la pardon à Dieu. Maintenant, tu commences à dire que Seigneur, à la fin, il veut la pardon. Et je l'avais demandé un travail où on va me payer un montant de 500 000 francs le mois. Voilà. Au départ, on me payait les 250 000, les 200 000. Tu sais que tu ne croyais même pas qu'on va te donner 500 000 un jour. Tu sais que je ne croyais même pas. Mais en janvier, j'avais deux propositions à l'arrêt. Oui. 450 et 500 000. Voilà. Je suis tombée directement. Voilà ce que tu m'as donné. Il fallait que je mette sur la balance. Voilà. Oh, Seigneur. C'est comme ça que. Il faut Jacob, vraiment qu'on il faut croire. Écris toujours tous tes désirs sur un format. Tout ce que la reine demande, c'est exactement ça. Il faut croire. Et quand tu écris, crois. Crois. Crois que tu as déjà reçu. Crois. Crois. Donc, je vous dis, j'ai dit que, mamie, quand je vois quelqu'un physiquement qui m'explique comme ça, c'est comme si je m'enseignais moi-même. Parce que parfois, quand elle parle, je suis seule devant la caméra. Je crois que les gens, c'est peut-être que vous me prenez pour une folle. Mais je sais que je suis pas folle. Pas trop envoyer, en tout cas, pas trop souvent témoigner. Mais oui.
À chaque fois que j'ai une bénédiction, je reste, moi, je me mets devant Dieu, je dis Seigneur, merci. Mm-hmm. Je ne connais pas trop témoigner la vérité. Voilà mon pire de faux. Au fur et à mesure, je sais que ça va. Dieu a permis que tu devant moi aujourd'hui, tu témoignes, non? Mm-hmm. Les principes s'y marchent. Depuis le mois d'août 2022, mm-hmm. que je t'ai connu. Bientôt un an. Mm-hmm. Mais je t'assure que je suis derrière ma deuxième voiture. Voilà. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait, on est au sixième mois, oui. Ça fait six mois. Deuxième voiture. Et ça qu'elle fait comment pour que les gens comprennent. Souvent, quelqu'un m'écrit, je suis désespéré, je n'ai pas ceci. Je lui dis que laisse, cherche seulement le crédit pour m'écouter. Même si c'est 500 par jour, tu manges 250, tu mets le crédit de 500 pour m'écouter. Et toujours cela, il n'y a pas un jour que je manque sans me laver au sel. Voilà. Toujours cela, au sel. Toujours, même si tu es fatigué, tu n'as pas la parole, peut-être pour ouvrir la force, pour ouvrir la Bible, pour lire les versets, les sourds, verse le sel dans ton eau, tu te laves, en parlant, tu médites, mm-hmm. tu vas te coucher, tu dors, que ce soit le matin, que ce soit le soir, comme ça. Vous suivez, non, c'est pas moi qui parle. Il y a pas un qui passe sans que je me lave au sel. Puisque mon mari, il me suit déjà. Uh-huh. Donc, je mets dans l'eau, il dit que toi-même, tu vas te laver avec ça. Il ne connaît même pas ce qu'il fait, mais tu te laves. Il fait quand même. Oui. C'est comme ça. Oh, le principe divin. Non. Et tu sais, ça fait que tu sais maintenant que tu pars quelque part. Avant, tu étais comme ça, tu vis aussi, tu ne sais pas si un mal va t'arriver. On dit qu'il y a récession, tu as peur. Hey, on chasse les gens du boulot, tu as peur. Donc, tu manges seulement ça là comme une folle, tu ne connais pas. Mais quand tu commences à. Dès qu'on dit que tel, on renvoie les gens, tu dis que ça ne m'affectera pas. Ma reine, voilà un autre témoignage. Ça fait 3 mois parce que j'étais en stage. J'ai arrêté le stage en octobre mm-hmm. 2022, là, qui est passé là. Mm-hmm. J'ai fait 3 mois à la maison. Wow. Octobre, novembre, décembre. Mm-hmm. En janvier que j'ai trouvé le boulot aussi. Et en janvier, j'ai acheté la deuxième voiture. Donc pendant les 3 mois, là, je travaillais toujours. Voilà. Avec mes mains. Je travaillais, j'avais toujours les entrées. Tu ne manquais pas. Je ne manquais pas. Mm-hmm. Je travaillais toujours. C'est pas que j'avais toujours. Je travaillais toujours. Je ne manquais pas. Durant tous les 3 mois, là. Voilà. Dès que je trouve le boulot, quand mes collègues me voient, ils me disent que la nouvelle voiture, c'est ça. Alors que tu étais à la maison, ils disent que j'étais à la maison. Ton revenu ne dépend pas de ton patron. C'est-à-dire que c'est les choses que j'ai expliquées ici, fatiguées. Quand ils voient que les gens m'écoutent, même si vous ne commentez pas, partez faire ce que je dis. Tu vas voir que tu seras indépendante du système. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent. Quelqu'un vient même et dit que ah, ça ne va pas marcher. Tu dis que laisse ma vie, laisse-moi. On te renvoie, tu ris. Tu dis que comme, ma chérie, on est en train de nous renvoyer, tu pleures. Tu dis que non. Ma vie est en train de commencer. Tu veux parler même de quoi? Le soir, quelqu'un te contacte, ma chérie, j'ai un tour de 50 000, tac, ça entre. Le lendemain, quelqu'un dit que c'est ça. Je m'arrête pas là. Ouais. Les commentaires étaient trop chauds. J'ai dit que je dois faire la vidéo aussi pour vous partager parce que parfois, quand on parle de choses, quand elle parle, c'est là, vous croyez que je ne suis pas seul. Et le genre que tu es en train de monter là, tout, c'est un principe. Tu vois, c'est comme les escaliers. Si on te met que marche numéro 1, marche numéro 1000. Monte seulement, soulève seulement un pied chaque jour. Un pied chaque jour. Un jour, tu vas te retrouver que tu as la marche numéro 999. Alors qu'avant, tu montais de 20, tu descendais de 10. Après, tu montais de 20, tu descendais de 25. Tu étais comme ça, tu faisais de yo-yo. Tu montes, tu descends. Maintenant, ton mari, on a dit que je pars au millième étage. Je suis au millième. Jusqu'à tu parles, tu ne doutes pas de quelqu'un. Tu ne doutes pas. Le lavage, c'est la méditation quotidienne. Toutes ces petites choses-là. Quand tu fais, tu dis que telle chose va marcher. Si c'est n'importe quoi qui me bloque, j'enlève. Kit. Pour les kits, alors j'ai parlé même des kits ici hier. Quand je parle de mes kits aux gens, les gens disent toujours que ma chérie, un jour j'ai dit que je vais faire un direct pour parler de ok, qu'est-ce qui se passerait si je ne fais pas un kit. Souvent, quelqu'un vient ici là, il dit que ça fait 6 mois que je te suis, je n'ai pas l'argent. J'ai dit ceci, tu n'as pas besoin. Moi, j'ai dit toujours, ok, je commence avec le sel de 50. Si je te lave avec le sel une semaine, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas 5 000 ou 10 000 qui entrent. C'est que tu es un décepticon. Ce que je sais pas, c'est que tu fais. Maintenant, quand 5 000 entrent, tu peux chercher un truc que tu achètes. D'adim d'abord 1 000 francs. Si c'est 10 000 francs qui est entré, 1 000 francs, tu donnes. Et je dis maintenant que si je ne donne pas ma dîme, ça veut dire que s'il y avait encore 10 000 qui arrivaient demain, ça ne va plus venir. Donc, quand tu n'obéis pas au principe spirituel, tu te bloques. Supposons, j'ai l'argent pour acheter le kit, je n'achète pas. Je vais économiser 50 000, 70 000. Les 70 000 que je garde dans ma poche là. Si je sors ça, en une semaine, je peux avoir encore. Même 200, 300 000. Alors que j'ai investi 70 000. Et 70 000, la semaine prochaine, ça me donne encore l'autre. La semaine prochaine, ça me donne encore l'autre. Donc,
L'investissement spirituel en vaut la peine. C'est parce que nous, et j'ai déjà dit souvent que les gens qui vont à l'église, par exemple, on ne nous enseigne pas tout ce qu'on doit savoir. Parfois, les pasteurs ont peur de vous expliquer que vous devez payer ça. Ils ont peur de vous expliquer quand tu reçois une bénédiction spirituelle, donne quelque chose. Il a peur. Parce que c'est pour ta bénédiction, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Et quand tu comprends, tu vois, ça shift ta façon de faire les choses. Et c'est vrai, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Voilà. Mmh. Va toi, mamie, va pointer l'argent. Vous savez que nous, c'est l'argent, non? Mmh. Merci beaucoup. Mmh. Amen. Amen, oh, amen. Mmh. Pas de problème. Envoie-moi ta photo pour le lavage sur truc là. Oui. WhatsApp, ok?